Okay. Welcome to the third public lecture of the trimester, Disordered System, Random Spatial Processes and Application. The lecturer of today is Frank Den Hollander, who is going to talk about how to better understand complex network, or to say it better, comme comprendre le comportement de réseau complexe. So to start with, I have a couple of questions for the audience indeed. So the first question is, how many people that are not coming from an art science background are in the audience? Say, how many artists are in the audience? Okay, we have a few, that's good. It's a public lecture for scientists, plus some welcome people. The second question is, so when we invited Frank, we thought that indeed to be in the spirit of Institut Henri Poincaré and its tradition to have the lecture in French. And this is what we plan, and think that with a little bit of effort, I assume that most of us will be able to follow the lecture. Therefore, unless there is some strong objection, and I would like to have a measure of that, I will confirm this choice for the lecturer. Okay, good. So just a couple of words more to introduce the lecturer. So Frank is a full professor at Leiden University, where he holds the chair of probability. Leiden is also the place where he got his training. He obtained in 1985 a PhD under the supervision of Piet Kastelein, with a thesis entitled Random Walk on Random Lattices. So from the title of the thesis, you can infer already that the interest of Frank early oriented towards stochastics and probability. And since then, he had several academic positions at several Dutch universities, Delft, Utrecht, Nijmegen, Eindhoven. In Eindhoven, he was also the director of Eurandom for 5 years, European Institute for Stochastics. He is also member of the Royal Dutch Academy of Science, and is as well affiliated to the American Mathematical Society. He gave very many contributions to the areas, to the area that is at the interface between probability theory and mathematical statistical physics, with incursion to mathematical population genetics and functional analysis. He's mostly well known for his contribution to large deviation and his results on random polymers. On both of these topics, he wrote a research monograph. And for those of you that were here during the second workshop, you could hear him lecture him on the annealed behavior of charged polymers. But the lecture of today is indeed not looking backward, but looking ahead, because he's going to tell us about his most recent challenge that indeed concern the mathematical description of complex network. So therefore, let us welcome Frank, or pour mieux dire, j'ai l'énorme plaisir d'accueillir entre nous Frank Den Hollander. Merci, Christian. Tout d'abord, merci que vous êtes venu. Alors, c'est un grand plaisir de vous présenter, de vous offrir un exposé sur les réseaux complexes et de faire ça en français, ce qui n'est pas facile pour moi, mais je vais le faire quand même. Et j'espère de vous convaincre pourquoi les réseaux complexes sont tout d'abord importants, intéressants, difficile à comprendre et aussi difficile à contrôler. Et pourquoi les mathématiques
ont beaucoup de choses à offrir. Donc il y a de gros défis que nous devons affronter. On est en train de comprendre toujours mieux ces réseaux complexes, mais il y a de gros défis et les mathématiques ont vraiment la possibilité de contribuer d'une façon intéressante. Donc, nous sommes tous connectés à travers des réseaux. Des réseaux, ils se trouvent partout. Vous connaissez tout l'Internet, Facebook et Twitter. Et par exemple, Internet soutient aujourd'hui plus de 4,5 milliards de pages web. Et en France, il y a déjà 2,5 millions de pages web. Donc, c'est un réseau énorme. Le web, le World Wide Web. Facebook, par exemple, il y en a déjà plus d'un milliard d'utilisateurs actifs de Facebook. En France, il y en a à peu près 26 millions. Donc, c'est aussi un réseau énorme. Twitter, en ce moment-là, il y a à peu près 300 millions d'utilisateurs actifs de Twitter, en France à peu près 7 millions. Donc aussi une activité très très grande. Mais ce n'est pas seulement ça. Par exemple, on peut penser aussi au trafic routier, toutes les autoroutes en Europe, aux États-Unis. Il y a le transport de marchandises, soit par avion, par camion, par bateau. Téléphone mobile, évidemment, c'est aussi très, très important. Je crois qu'actuellement, il y a 7 milliards de téléphones mobiles registrés. En France, 72 millions. Ça veut dire qu'il y a plus de téléphones mobiles que la population. Donc, il y a des gens qui ont deux ou trois téléphones mobiles. Et l'électricité, c'est un autre exemple. L'électricité, ça doit arriver dans les maisons, dans les usines. On en a besoin pour les trains. Et ça aussi, c'est très, très compliqué. Comment organiser un réseau électrique? Donc, il est clair que ces réseaux, ils sont devenus vraiment très, très indispensables à notre société. Il y en a partout. D'accord. Pourtant, en même temps, ces réseaux, ils sont de nature très, très complexe. Tout d'abord, ils sont de grande taille. Ça j'ai déjà expliqué. Mais ce n'est pas seulement ça. Normalement, ils sont de structures très, très compliquées. Et c'est une structure que, des fois, on connaît la structure. Par exemple, si on connaît toutes les autoroutes en France, mais des fois, on ne connaît pas la structure. Par exemple, on ne sait pas la structure de l'Internet. Donc, il n'y a pas un écran où on a projeté l'Internet. C'est un réseau énorme, mais on ne sait pas sa structure précise. Ils sont très dynamiques parce que sur ces réseaux, il y a beaucoup de processus qui se développent. Donc, ce ne sont pas des réseaux fixes. Il y a plein de choses dynamiques qui se passent là-dessus. Ils sont souvent très, très surchargés. C'est parce qu'on essaye toujours de maximiser tout. Donc souvent, on essaye d'utiliser un réseau jusqu'à son capacité maximum. Donc, en effet, ils sont très, très souvent surchargés. Ils peuvent être aussi imprévisibles. Si on regarde le trafic à l'heure de pointe, ça veut dire « peak hours », là, ça risque d'être un peu difficile. Donc ici, on voit que le trafic peut se bloquer totalement. Et même des fois, ils sont très vulnérables parce qu'il peut y avoir un effondrement de réseau à cause du fait qu'il y a une congestion qui est devenue fatale. Donc, ce sont des objets très compliqués
Et donc, cette complexité, ça pose de gros problèmes. Et si on a un réseau simple et pas surchargé, et qu'on comprend bien, alors c'est pas difficile, mais désormais, on a des réseaux très très grands, donc on doit affronter cette problème de complexité. Et c'est là que les maths peuvent aider beaucoup, parce que nous, mathématiciens, on sait comment dominer la complexité. Alors voilà pourquoi les maths sont importants. Le fait que ces réseaux peuvent être en crise, ça a mené à ce qu'on appelle « a Resilient Action Initiative ». Donc en 2012, il y avait 8 chefs de gros industries internationaux. Ils se sont mis ensemble. Voilà les industries. Et puis, ils se sont dit, ces problèmes, on ne va pas les résoudre en recueillant encore plus de data. C'est pas ça la solution. On va pas le résoudre non plus en utilisant des ordinateurs encore plus forts et donc encore calculer plus. Non, c'est pas là la solution. La solution doit se trouver dans ce qu'on appelle resilience. Donc resilience, ça veut dire mettre dans un réseau une forme de flexibilité. Qui permet le réseau de s'adapter un peu mieux dans une situation d'être surchargé, une situation de crise. Et ça, ce n'est pas facile parce qu'il n'est pas évident comment on fait ça. Donc pour rendre un réseau plus stable, donc on peut dire je ne vais pas l'utiliser, mais ce n'est pas ça ce qu'on veut. On veut l'utiliser quand même et on veut l'utiliser beaucoup. Mais comment on va faire pour augmenter la stabilité? Et là, ils discutent, donc maintenant, il y a plein de projets sur place pour étudier ce problème. Et par exemple, ils affrontent aussi des problèmes écologiques, agriculture, où il y a un peu la même situation. Donc, la situation est reconnue comme urgente. Et, bon, qu'est-ce que les maths peuvent faire? Donc, on veut comprendre ces réseaux, tout d'abord. On veut les modéliser. On veut trouver des modèles où on peut calculer, comme nous, on fait tous les jours comme mathématiciens. On aimerait aussi les contrôler, parce qu'on veut qu'un réseau fasse ce qu'on veut qu'il fait. Et on aimerait optimiser, dire, bon, j'aimerais bien que ce réseau se comporte de façon, disons, agréable ou efficace. Et apparemment, on a besoin de nouvelles idées pour faire ça. Il y a plein d'initiatives dans le monde pour essayer à mieux comprendre et comprendre, modéliser, contrôler et optimiser ces réseaux. Et là, les mathématiques sont une arme puissante parce qu'il y a la force de l'abstraction. Il y a plein de réseaux différents qui ont des fonctions différentes, mais un mathématicien, pour abstraire la situation, il peut étudier un modèle abstrait et comme ça comprendre les aspects universels des réseaux. Et c'est carrément là qu'il faut chercher la solution. Donc ça c'est un gros défi. Alors les mathématiciens, ils ont beaucoup à faire. Et ils doivent le faire maintenant parce que c'est vraiment urgent. Et donc dans cet exposé, je vais essayer... Donc d'abord, je vais vous donner quelques exemples des réseaux complexes. J'ai déjà donné quelques exemples, mais je vais vous en donner d'autres. Je vais discuter quelques questions clés qu'on peut se poser sur ces réseaux complexes
Et en même temps, je vais donner trois indications comme ce que les maths peuvent faire. Donc, trois résultats mathématiques intéressants sur des réseaux. Et on a l'impression que c'est la combinaison de deux domaines dans la mathématique et dans le monde informatique qui vont être très très importants. Et c'est d'un côté, c'est la stochastique. Donc la stochastique, c'est l'art du hasard. Et pourquoi hasard est important? Parce que complexité souvent vient modéliser avec le hasard. Donc si on a une situation très très complexe, on dit bon, c'est tellement complexe que ça semble être hasard. Donc le hasard est une façon de modéliser quelque chose qui est très complexe. Et d'autre côté, parce qu'on a des réseaux énormément grands, on a besoin de algorithmes très vite, très efficaces. Donc algorithmique, c'est l'art du calcul, si vous voulez. Et alors là, on est en train aussi de développer des algorithmes qui sont très bien adaptés à affronter des problèmes avec des réseaux. Donc ce sont des algorithmes qui sont vraiment faits pour faire des calculs très efficaces avec des réseaux. Donc ce sont deux domaines très intéressants et on a l'impression que c'est la combinaison des deux qui va nous aider beaucoup à comprendre ces réseaux complexes. Donc, quel type de réseau est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y en a? En gros, il y a une classification en quatre types: réseau d'information, réseau technologique, réseau sociaux et réseau biologique. Réseau d'information, on l'a déjà vu, c'est l'Internet, c'est le World Wide Web, par exemple. Les réseaux technologiques, ça peut être un réseau d'électricité, ce qu'on appelle electricity grids, ou par exemple réseau bancaire ou financier, ou manufacture réseau. Et bon, sociaux, c'est par exemple Facebook et Twitter. Et aussi, il y a des réseaux biologiques, par exemple des réseaux génétiques, metabolic networks, ce qu'on appelle, par exemple, et des réseaux neuronaux, le cerveau, par exemple. Et donc, en gros, il y a cette quatre catégories des réseaux qu'on étudie. Et beaucoup de réseaux ont quelque chose en commun. Et tout d'abord, ils semblent être hyper connectés. Et ça s'appelle petit monde, ça s'appelle en anglais, le word standard, c'est small world networks. Et ça veut dire que tu peux aller d'un point à un autre point dans le réseau quelconque en voyageant très peu. Et donc, il y a la fameuse expression que tout le monde connaît, 6 degrees of separation, 6 degrés de séparation. Et ça veut dire que, prenons un boulanger à Auckland, in New Zealand, en Nouvelle-Zélande. Alors là, moi, je connais ce type à travers 6 amis. J'ai un ami qui connaît un ami, qui connaît un ami, et qui connaît, à la fin, ce boulanger à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est remarquable, mais c'est vrai. Donc, c'est vrai que c'est comme ça. Nous avons tellement beaucoup de contacts que vraiment, le monde vit en 6 degrés de séparation. Bon, peut-être c'est 7, mais c'est pas 20. Donc, c'est une chose remarquable, mais c'est ça. Donc, ça, c'est pourquoi ces réseaux, ils sont hyper connectés et ça, c'est utile parce que cette hyper connectivité, ça nous aide à utiliser ce réseau de façon très, 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 très efficace.
Une autre propriété qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont sans échelle. Donc, sans échelle, c'est une propriété un peu technique, et on verra plus tard que ce que c'est exactement. Mais en gros, ça veut dire que si on regarde le réseau et puis on le regarde sur une échelle plus grande, il a à peu près la même structure. Donc, le réseau, dans un certain sens, il a une structure fractale. Et si tu le regardes en détail ou en gros, c'est à peu près la même chose. Et apparemment, beaucoup de réseaux qu'on trouve, donc Real World Networks, ils sont vraiment comme ça. Et on peut se poser la question, mais pourquoi ils sont comme ça? Alors là, on va discuter ça après. Ok, je vais vous donner quatre exemples encore de réseaux avec des jolies images. Ici, il y a un réseau de transport pour les camions. Ce sont les camions qui partent d'un centre à Londres et qui voyagent parmi l'Europe. Et donc, pour envoyer les marchandises, il faut quand même être un peu... donc, il faut faire ça de façon rusée. Donc, si on veut arriver là, peut-être tu dois passer ici, peut-être tu peux mettre dans le même camion des choses qui va laisser ici, à Zurich, et puis peut-être là et là. Donc, pour optimiser le transport avec ces camions, il faut quand même réfléchir sur la structure globale de cette réseau. Et aussi, peut-être voyager ici, c'est plus difficile. Et ici, c'est facile de voyager. Peut-être donc ici, ça coûte cher et là, ça coûte moins cher. Donc, il y a un problème global d'optimisation dans des problèmes comme ça. Ici, il y a une image de tous les vols d'avion en un jour. Et donc, il y a des vols qui vont partout ici, Amérique du Nord et Europe. Et autour de Chine et Japon, il y a une énorme intensité. Donc, on voit qu'il y a un réseau de vols d'avion. Et de nouveau, il y a des questions tout à fait globales. Si à New York, il y a un gros problème, ça veut dire que les avions, ils ne peuvent pas partir. Ça veut dire qu'à Paris, il y aura moins d'avions qui vont arriver parce qu'ils ne sont pas partis de New York. Donc, si on a un problème ici, ce problème peut se présenter autre part aussi. Donc, parce qu'un avion, avant de partir, il doit avoir la permission de partir à un certain moment précis parce qu'il va arriver à un certain moment précis à Paris. Donc, ils doivent savoir s'il y a de la place. Là, de nouveau, on voit qu'il y a plein de problèmes avec un système comme ça. Et si on va le maximiser totalement, on va très vite être en crise. Donc, il faut introduire... alors là, il me manque la parole « buffers ». Et donc, c'est cette « resilience », cette flexibilité, cette possibilité d'être un peu variable sans qu'on bloque trop le transport. Voilà les routes des téléphones mobiles dans un jour dans la ville de Venise. Et là, donc, tous les téléphones, donc il y a eu un transport, il y a un certain réseau le long lequel ces coups de téléphone sont passés. Et voilà, notre problème, c'est de transporter l'électricité. Le problème avec l'électricité est qu'il est difficile de le stocker. Donc, quand il y a un certain moment, une heure de pointe où on a besoin de beaucoup d'énergie, il faut que cette énergie soit là, qu'on l'envoie à travers ce réseau à temps. Et il y a d'autres moments où on ne veut pas que l'énergie arrive parce que quand l'énergie arrive quelque part, tu ne peux pas le stocker.
Il faut trouver des façons plus compliquées, plus chères de stocker l'énergie. Donc aussi là, les energy grids, c'est un problème d'optimisation globale qui pose de nouveau de gros problèmes et qu'on étudie intensément. Donc, ces réseaux, ils sont grands, ils sont souvent surchargés et ils risquent d'être très congestionnés, surtout pendant les heures de pointe. Et ce qui est difficile, c'est que la demande qu'on a sur ces réseaux, c'est pas stable. Donc, il y a des heures de pointe, il y a des heures où on demande très peu, mais ça peut changer. Et de nouveau, de pouvoir traiter ces fluctuations, c'est difficile. Et pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'on n'a pas tout ce réseau sur un écran. Il y a un type qui est derrière un écran et qui peut décider tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc on doit mettre dans le réseau, localement, des protocoles qui décident sur l'information locale et avec peut-être un peu de contrôle global, ce que le réseau va faire. Et donc, il faut quand même essayer de faire un réseau un peu intelligent. Donc, ce n'est pas du tout le cas que tu peux contrôler un réseau de façon globale. Donc, ça n'existe pas. Et c'est ça aussi quelque chose de difficile à comprendre. Donc, on comprend déjà beaucoup, mais pour vraiment traiter ces réseaux qui sont un peu congestionnés et de les rendre plus flexibles, en réalité, la théorie est un peu en retard sur la pratique. Et c'est pour ça que les maths peuvent faire beaucoup. Voilà. OK. Ça, c'était une introduction sur le réseau. Donc, qu'est-ce que les maths peuvent faire? Bon, un mathématicien, il va chercher l'abstraction. Donc, pour un mathématicien, il va dire, mon réseau, c'est ce qu'on appelle un graphe. Un graphe consiste de points et de lignes entre les points. Et pour un mathématicien, ça c'est une image d'un réseau où les points peuvent encore être, ils peuvent être un aéroport ou un centre de distribution ou un web page. Pour le moment, le mathématicien n'a pas besoin de savoir ce que c'est un point. Et la ligne, ça signifie que ces deux points ont quelque chose en commun. Il y a une autoroute entre les deux, il y a un vol qui fait une connexion qui va d'un point à l'autre. Et quand on commence avec un objet comme ça, et c'est un objet compliqué que d'habitude on le choisit de façon aléatoire. Et de nouveau, pourquoi aléatoire? Aléatoire, c'est une façon de modéliser quelque chose de très complexe. Et si on fait un graphe très régulier, on va dire, bon, ça c'est facile, mais ce n'est pas la réalité. Donc, on choisit un graphe aléatoire parce que c'est pour modéliser une situation très complexe avec beaucoup de points, beaucoup de lignes et tout ça. Donc, comment on écrit ça? Le graphe consiste de deux choses. Il y a un ensemble de points qui vivent dans un espace, par exemple un plan ou dans un autre espace. Et il y a un ensemble de lignes qui font les connexions entre certains points. Donc, ce n'est pas nécessaire que tous les points sont connectés par une ligne. Normalement, il y a quelques paires de points qui sont connectés et d'autres qui ne sont pas connectés. Par exemple, ici, on voit qu'il y a plein de connexions, mais ce point-là n'est pas directement connecté avec celui-là. Il faut voyager un peu dans le réseau. Et donc,
Ce qui est très intéressant, c'est de regarder une graphe aléatoire qui a une certaine propriété, et c'est cette propriété qui correspond à ce que j'ai nommé sans échelle. Donc c'est que la fraction des points qui ont exactement k lignes, qui ont ce qu'on dit degré k, c'est proportionnel à k à la puissance moins un certain nombre, et ce nombre est un nombre caractéristique du réseau. Et donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fixe une fonction comme ça qui prescrit le nombre de points, le nombre de lignes la fraction des points avec un certain nombre fixe. Et puis après, on dit, OK, je m'imagine maintenant tous les possibles graphes qui satisfait cette fraction. Donc, on fixe ça, on dit, je veux un certain pourcentage de points qui ont deux lignes, trois lignes, quatre lignes, je fixe tout ça. Et maintenant, je considère tous les graphes possibles qui satisfaient cette contrainte. Et je vais choisir un graphe aléatoirement. Donc, de tous les graphes qui satisfaient cette restriction, je prends un graphe quelconque. Et comme ça, j'obtiens ce qu'on appelle un graphe aléatoire avec cette distribution f de degrés. Et on peut encore jouer avec choisir ces degrés, mais souvent on les prend comme ça parce que beaucoup de graphes en réalité, et je vais vous donner un exemple, ont un comportement exactement comme c'est écrit ici. Donc, c'est comme ça qu'on se construit un graphe aléatoire qui a quand même une propriété prescrite, c'est que tu fixes les fractions des points qui ont un certain nombre de lignes. Et tu le fixes comme ça. D'accord. Ici, un exemple très fameux pour nos mathématiciens, c'est ce qu'on appelle le graphe de collaboration en mathématiques. C'est que on compte le nombre de mathématiciens qui ont travaillé avec un seul co-auteur ou avec exactement deux co-auteurs ou trois co-auteurs, et on fait un plot. Et on le fait ici dans ce qu'on appelle un log-log plot. Donc ici, verticalement, c'est le logarithme du nombre de mathématiciens avec un certain degré, et ce degré, on fixe aussi, on l'écrit de façon logarithme. Et si on divise ces nombres par le nombre total de tous les mathématiciens qui sont là-dedans, alors on trouve exactement cette degré distribution de degrés. Et le graphe de collaboration mathématique a une partie assez linéaire ici où ça correspond avec une constante caractéristique à peu près de 2.8. Et on trouve dans beaucoup d'autres réseaux, donc si on va aussi regarder la distribution de degrés dans le World Wide Web, on trouve aussi des nombres tau qui sont toujours entre 2 ou 3, des fois ils sont un peu plus grands que toi, mais ils sont quand même assez petits. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des points qui ont beaucoup, beaucoup de voisins. Et là, par exemple, il y a une personne très fameuse, c'est Paul Erdős. Il a écrit 1500 articles et il y avait 500 co-auteurs. Donc, lui, il représente dans la graphe de collaboration ce qu'on appelle le plus gros pôle. C'est, je crois qu'il n'y a personne qui a plus de co-auteurs que Paul Erdős. Donc, il y en avait 500. Donc, lui, il est vraiment quelqu'un qui est connecté avec beaucoup de monde.
Et bon, il y a un jeu qui s'appelle quel est ton R2 number, quel est ton nombre R2, donc combien de fois tu dois voyager donc quelle est ta distance à pôle R2. Et donc il y a un site actif où vous pouvez aller, et vous pouvez mettre votre nom et dire ah, j'ai un R2 number. On verra bien. D'accord. Et donc Paul Erdős est le groupe en Paul. Paul, ça veut dire hub. Moi, je ne savais pas que hub était Paul, mais bon, maintenant je le sais. Et donc, il y a une partie linéaire qui est très caractéristique pour beaucoup de réseaux. Et on ne va pas toujours trouver 2.8, mais souvent, ça se trouve entre 2 ou 3, ou peut-être 3,5, mais donc... Et le fait que ce tau existe, ça s'exprime en disant le réseau est sans échelle. Parce qu'on trouve des pôles, et des pôles encore plus grands, et des pôles égaux. Donc il y a vraiment une structure presque fractale du réseau. Et bon, on peut se poser la question, mais pourquoi on va toujours avoir des réseaux sans échelle. Donc, quelle est la raison pourquoi les réseaux qu'on observe dans le monde ont cette propriété? Et alors là, il y a une idée qui a été beaucoup popularisée par Albert Barabasi, qui en réalité était déjà un peu plus vieux, mais c'est lui qui a vraiment mis ça au centre de tout. C'est que les réseaux deviennent comme ça parce que ils sont pas construits par nous, ils sont construits de façon dynamique. On a commencé avec très peu de pages web, et puis d'autres pages web s'ajoutent, ils commencent à faire un link avec une autre page web. Et il y a le phénomène, un phénomène très simple, ça s'appelle attachement préférentiel. Si tu ajoutes une nouvelle page web, donc c'est très, tu as plus chance de faire une connexion avec un autre page web qui est déjà très connu, parce que toi, tu le connais aussi. Donc, ça veut dire que ces réseaux ont la propriété que quand tu ajoutes un nouvel point, ce nouvel point va avoir une chance, une probabilité proportionnelle. Enfin, il va se connecter avec un point ancien, et cette probabilité de connexion va être proportionnelle au nombre de connexions que ce point ancien déjà a. Donc, on dit aussi souvent, les gens très populaires, ils vont devenir encore plus populaires, ou les gens très riches, ils vont en devenir encore plus riches. Et donc, il y a l'effet d'attraction, et c'est ce mécanisme d'attachement préférentiel qui est la cause de cette propriété sans échelle. Ce n'est pas le seul mécanisme, donc c'est quand même un mécanisme très naturel qui décrit cette propriété sans échelle. Et ça sort du fait que les réseaux ne sont pas venus comme ça, ils sont en train de croître tous les jours. Et c'est cet aspect dynamique qui explique pourquoi c'est comme ça. Ok. Maintenant, je voudrais parler un peu de trois exemples de processus qu'on peut faire sur un graphe aléatoire. Donc ici, on a un graphe aléatoire, il y a des points et des lignes, mais on va aussi s'imaginer que on attache à chaque ligne un certain valeur, un certain poids, un certain couleur, si vous voulez. Et imagine qu'on a un réseau de routes et les voitures ils vont voyager dans les routes. Bon, il y a des routes que tu vas traverser très vite parce que c'est tout plat comme en Hollande, mais il y a des routes qui prennent beaucoup plus de temps. Donc peut-être ces routes
doivent avoir un poids différent, une couleur différente. Donc, le problème devient plus intéressant quand on dit, bon, on a un graphe de points et de lignes, mais on peut aussi ajouter des poids aux lignes et ce poids peut représenter quelque chose. Je vais d'abord raconter une propriété que tu trouves quand tu es intéressé dans les propriétés de transport. Donc, à chaque ligne, on ajoute chaque ligne qu'on appelle petit a, on ajoute un temps aléatoire et on s'imagine que ce temps aléatoire qu'on écrit W de a représente le temps nécessaire pour se déplacer le long cette ligne. Donc ça pourrait être le temps de voyager le long cette rue, route. Et alors là, une question qu'on pourrait se poser, c'est que on a pris le graphe, on a ajouté à toutes les lignes certains poids, et on peut dire, mais regardons, considérons un objet comme ça. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est que tu choisis deux points aléatoirement, V1 et V2, et la probabilité que tu prends un certain pair spécifique, c'est 1 sur le carré de la cardinalité de l'ensemble de points. Et une fois que tu as choisi ces deux points, tu dis, quel est le temps minimal qu'il me faut pour me déplacer d'un point à l'autre? Donc, on considère tous les chemins dans la graphe qui commencent à V1, qui finissent à V2, et on fait la somme de tous les temps de déplacement. Donc ça, c'est cette quantité, ça correspond à dire, OK, je prends deux points aléatoires, combien de temps il me faut pour me déplacer d'un point à l'autre? Donc, c'est ce qu'on appelle le temps typique de déplacement minimal de mon graphe. Et qu'est-ce que le W de E, ça peut être un temps de transmission d'un message, selon une ligne de contact, ça peut être le coût d'un transport par un camion, ou ça peut être la proximité d'une amitié. Et la quantité qu'on est en train de considérer, et surtout 1 sur ça, donc l'inverse de ça, ça correspondrait à la distance parcourue dans un temps donné. Donc combien loin je peux voyager dans mon réseau dans un temps donné, ou combien ça coûte. Avec mes camions, j'ai un certain budget. Combien loin je peux envoyer ces camions? Ou ça peut être l'information que tu reçois de tes amis. Et cette quantité, son comportement dépend beaucoup de la structure de réseau. Et nous, on considère cette réseau aléatoire avec un paramètre tau. Et le comportement de cette quantité va beaucoup dépendre de cette paramètre tau. Par exemple, si on prend un réseau tout à fait régulier, c'est un réseau où chaque point a 2D voisins. Par exemple, on prend dimension 2, donc on a le réseau parfaitement régulier dans le plan. Le temps, cette quantité, donc le temps typique minimum de voyage, c'est à peu près la taille du réseau à la puissance 1,5 en deux dimensions. Par contre, si on prend une graphe aléatoire sans échelle avec un paramètre tau, ce temps de voyage va être beaucoup moins long. Si tau est plus grand que 3, ça va être logarithme de V, donc ça croît avec la taille de graphe, mais quand même très lentement. Si le tau est entre 2 et 3, ça croît encore très 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 lentement. Donc ça c'est presque constant. Et si le tau est entre 1 et 2, et ça c'est possible, vraiment, effectivement, tout le graphe est connecté et tu voyages un temps borné. Donc effectivement, ces graphes sans échelle, ils sont très très efficaces
pour le transport. Le transport est beaucoup plus facile et beaucoup plus vite dans ces graphes dans ces graphes sans échelle que dans des graphes réguliers. Et c'est pour ça que l'Internet, ça fonctionne, ça marche. Et c'est à cause de ça. Un autre exemple. On pourrait s'imaginer que sur ton réseau, sur ton graphe, il y a une infection. Il y a la possibilité que les sites, donc les points, peuvent être infectés ou sains. Et ce qui se passe, et dans notre domaine de Interacting Particle Systems, on appelle ça le processus contact. Alors, si tu es infecté, tu vas devenir sain à taux 1. Donc, tu as un taux 1 de spontanément devenir sain. Pourtant, si tu es sain, tu peux être infecté par tes voisins. Et chaque voisin peut t'infecter. Et chaque voisin fait ça avec un taux qu'on appelle lambda. Et le lambda, c'est une sorte de susceptibilité pour être infecté. OK, donc si lambda est très petit, l'infection n'est pas très agressive, il se déplace difficilement. Si lambda, par contre, est très grand, l'infection est très agressive, il va infecter donc un voisin, tu vas infecter ton voisin très vite. Et on peut montrer que pour chaque graphe, qu'il y a un nombre qui dépend du graphe, qu'on appelle le nombre critique, tel que si ton taux d'infection est plus petit que cette valeur critique, tu ne vas pas avoir d'épidémie, tu vas avoir quelques points qui sont infectés un peu, mais après ça va vite disparaître. Par contre, si ton lambda est plus grand que ces valeurs critiques, tu vas vraiment avoir une épidémie, tu vas voir que tout le monde dans le réseau va être infecté et va rester infecté longtemps. Normalement, il est difficile à calculer ce valeur critique, donc ce n'est pas facile, mais on peut montrer qu'elle existe. Elle peut être zéro ou infinie, mais ce qui est important, c'est que quand on commence avec une situation où tous les points sont infectés, quand ton lambda est en dessous de ce valeur critique, alors là, on va voir que l'épidémie va très vite disparaître. Il faut un temps d'ordre log de la taille du réseau pour que tout le monde soit sain, et quand tout le monde est sain, alors l'infection a disparu pour toujours. Par contre, si on a une valeur d'infection plus grande que ce lambda critique, alors là, le temps pour se débarrasser de cette infection va être très très long. Ça va être exponentiellement long dans la volume du graphe. Donc, si la graphe consiste de 1000 sites, 1000 points, donc ça va durer très très longtemps. Très très longtemps. Donc vraiment, ce valeur est important. Donc, pour des réseaux réguliers, il y a un critical value, mais pour un graphe sans échelle, ce valeur critique est zéro. Alors ça, c'est très dramatique, ça veut dire que pour n'importe quel lambda que tu prends, ça va être très très dur d'enlever une épidémie. Et la raison, c'est que dans ce réseau, il y a des personnes qui ont beaucoup de contacts. Donc, ce sont des pôles. Et c'est très difficile. Donc, ce sont les pôles, ces pôles-là qui soutiennent l'épidémie. Parce que tout ce qu'il faut, c'est qu'un voisin de ces pôles devient infecté. Il va tout de suite infecter la pôle, et la pôle va tout de suite infecter tout le monde autour de lui. Donc, un réseau avec des pôles, c'est vraiment très difficile de résoudre ça. Donc, pour quelqu'un qui veut combattre les épidémies, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite enlever les gens qui sont de gros pôles de ton network, parce que ce sont eux qui sont responsables pour tenir en course cette infection. Troisième et dernier exemple d'un processus,
C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. On peut s'imaginer on prend un graphe aléatoire et supposons que cette graphe aléatoire avec cette constante caractéristique tau percole. Donc percole, ça veut dire une fraction positive des points sont tout reliés ensemble. Donc le réseau a une bonne communication. D'accord. Alors maintenant, imagine qu'il y a un terroriste qui dit « Moi, je vais essayer de supprimer tous les points qui ont un degré plus grand qu'un certain capacitar. » Et avec le capacitar, on peut jouer. On peut... Alors il va enlever tous les pôles qui ont degré plus grand ou égal à capacitar. Et on peut se poser la question, est-ce que après que j'ai enlevé tous ces pôles, mon réseau percole encore, ou est-ce que je l'ai vraiment détruit et on voit que le réseau se divise en mille parties? Et on peut montrer que pour cette graphe sans échelle, que le terroriste ne va pas être... il ne va pas avoir de succès si le capacitar est choisi en dessus de cette courbe. Donc s'il enlève seulement des points avec un degré qui sont plus grands que qui sont en dessus de cette courbe-là, donc il ne va pas réussir. Mais s'il va enlever encore plus, il va réussir. Donc on peut avec cette courbe-là, on peut décrire la vulnérabilité ou la non-vulnérabilité du réseau contre des attaques terroristes. Et ici, pour des tau très grands, le réseau est très non vulnérable parce que le terroriste devrait enlever tous les sites qui ont 3 ou plus degrés, et ça c'est beaucoup. Donc il devrait enlever beaucoup pour vraiment détruire le réseau. Par contre, quand tau est très petit, ce qui est bien pour la connectivité et l'efficacité qu'on a vu, pourtant le réseau devient très vulnérable et il suffit d'enlever très peu de points pour vraiment tuer le réseau. Donc voilà une autre façon de pouvoir décrire de façon mathématique ce que ça veut dire avoir un network vulnérable contre des attaques bien orchestré. Par contre, si le terroriste enlève des points comme ça, il ne va pas réussir à faire beaucoup. Donc, ça va seulement réussir s'il est très rusé, il va vraiment prendre des points qui sont de grands pôles. Voilà. OK. Mais souvent, donc maintenant on a décrit des propriétés d'un modèle où on connaît bien la structure. On a mis une certaine structure dedans, on l'a imposée, et on a dit, bon, OK, qu'est-ce que je peux dire? Et je vous ai donné quelques exemples. Mais souvent, comme j'avais déjà dit au début, souvent on ne connaît pas vraiment la structure des réseaux. Un réseau peut être hyper compliqué, et un réseau comme Internet, on ne sait pas vraiment la structure, on peut mesurer... On peut faire des mesures aussi statistiques, des preuves statistiques, mais pour comprendre la structure de l'Internet, mais c'est pas facile. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un réseau où on dit, mais je sais même pas comment c'est, je connais pas sa structure. Alors, il y a quelques questions qu'on peut se poser, quelques questions clés qui sont tous des questions très très difficiles, très très actuelles où il y a beaucoup à faire. Par exemple, on peut dire, OK, je ne connais pas l'architecture des réseaux. Est-ce que cette architecture, est-ce qu'elle se dévoile quand je mets le réseau sous une condition très extrême? Donc, je mets le réseau sur une sorte de torture pour voir comment il réagit. Et est-ce que je peux faire cette torture de façon très précise, telle que ça va me dire un peu la structure
du réseau. Ça, c'est une question inverse. Il dit, en regardant ce qu'un réseau fait sous des conditions très extrêmes que moi, peut-être, je peux imposer, je peux deviner quelques propriétés de son structure. Et ça, c'est une question très importante et aussi très difficile. Une autre question qu'on peut se poser, bon, ces réseaux, ils ne sont pas statiques, ils sont en train de se bouger tout le temps. Si on a un réseau de téléphone mobile, bon, tout le monde se déplace, donc c'est un réseau dynamique. Est-ce que le transport le long d'un réseau dynamique est plus efficace que le long d'un réseau statique? Oui ou non? Peut-être le fait que le réseau se change un peu, ça permet d'autres chemins, mais peut-être c'est plus difficile. Donc c'est pas évident du tout. Et on peut essayer de faire une théorie perturbative, mais ça c'est vraiment compliqué. Donc il n'y a pas une bonne réponse là-dessus. Une autre chose qu'on peut poser, c'est est-ce que en observant le comportement d'un réseau, est-ce qu'on peut dire, ah non, alors maintenant il y a quelque chose, ah bon, il y aura bientôt l'effondrement. Alors est-ce qu'on peut reconnaître dans le comportement d'un réseau le fait que peut-être très vite il va y avoir un problème? Très très compliqué, il y en a qui pensent que c'est pas possible et l'autre qui sont un peu plus optimistes. Et puis, il est très important de développer des algorithmes très rapides pour faire des calculs sur des réseaux online, pour pouvoir les suivre, et aussi de faire des algorithmes où tu dis, bon, je ne vais peut-être pas trouver la meilleure solution sur une certaine question d'optimisation, mais quand même, je vais trouver une très bonne solution, donc avec une garantie de qualité. Et là, il y a tout un monde qui essayent d'étudier des algorithmes adaptés au réseau. Il y a même des algorithmes quantiques, parce que les quantum algorithms sont capables de faire des choses assez vite. Mais bon, ils ne sont pas la solution pour tout, pas du tout, mais ça a quand même aussi une direction très intéressante. Ok, donc le but final, ça serait de construire des réseaux auto-organisantes, avec auto-organisantes. Je veux dire que tu as des protocoles très locaux qui sont faits de façon tellement rusée que le network réussit à être stable même dans des conditions compliquées. Et à la fin, on aimerait bien aussi développer une théorie d'une réseau intelligent. Par exemple, ici, il y a une voiture qui arrive à un feu rouge, mais ce que le feu rouge va faire, c'est qu'il est en contact avec d'autres feux rouges et il veut savoir s'il y a d'autres voitures là. Et donc, peut-être, si ça va être rouge ou vert, ça dépend si tu as beaucoup de voitures autour de toi ou si tu es tout seul. Donc, on aimerait bien construire un réseau comme ça et on essaye de faire ça. D'accord. Ou de faire une combinaison entre plusieurs formes d'énergie et d'essayer d'optimiser plusieurs réseaux ensemble. Donc, il y a encore de gros défis dans le futur. Par exemple, les réseaux sociaux sont beaucoup plus compliqués que les réseaux d'information parce qu'un réseau d'information, on sait comment ça marche, on ne connaît pas l'architecture, mais on sait comment un message voyage d'un point à l'autre. Tandis qu'avec un réseau social, c'est beaucoup plus compliqué et il y a des aspects humains, du comportement humain qui rentrent là-dedans. Et on a besoin de théories des jeux pour optimiser ça. Donc, les réseaux sociaux sont encore beaucoup plus compliqués d'habitude. Et notre réseau et notre cerveau, c'est aussi un réseau de neurones avec une structure qu'on ne connaît vraiment pas. On soupçonne que le cerveau a une structure hiérarchique.
Et donc là, il y a encore de grosses questions dans le futur. Et on voit que le domaine est en train aussi de pouvoir dire toujours plus. OK. Donc j'ai presque fini. Je voulais juste vous raconter d'un très joli nouveau programme de recherche qu'on a commencé aux Pays-Bas, ce qui s'appelle Networks, où il y a 4 partenaires. Il y a l'Université d'Amsterdam, le Centre de mathématiques et informatique à Amsterdam, Technical University à Eindhoven et Leiden. Et c'est un programme qui a été financé par notre ministre d'Éducation, Culture et Sciences. Et c'est notre CNRS, NVO, on l'appelle ça en Hollande, qui dirige tout ça. Et voilà, il y a un an et demi, on était avec notre ministre d'Éducation, Jet Bussemaker, et qui nous a présenté cette programme. Donc, c'est un programme qui se concentre sur des réseaux complexes. C'est assez grand, c'est un programme qui dure 10 ans. Et il y a plein de gens qui font partie des étudiants, des postdocs, des principal investigators, des assistants. Il y a plein de projets et on fait tant d'activités. Une chose qu'on est en train de mettre en pied, c'est un site web interactif sur tout ce qui concerne les réseaux, ce qu'on appelle the network pages. Donc on est en train de mettre ça en pied et donc on doit encore beaucoup réfléchir quoi faire et pas quoi faire, mais c'est quand même une chose très très intéressante. Bon, j'ai fini. J'espère de vous avoir convaincu que en effet les mathématiques sont vraiment capables de nous aider à mieux comprendre des réseaux complexes. Mais comme mathématicien, il faut travailler dur. Merci. Okay. Back to English, if you wish. Yes. Time for question. Or comments. À un moment donné, lorsque tu dis que pour bien connaître l'architecture d'un réseau, il est intéressant de voir un peu son comportement sous des tortues. Est-ce que du point de vue mathématique, ça signifie que tu voulais étudier, je sais pas, le comportement du réseau dans des situations de déviation, grande déviation? Voilà. Effectivement, parce que... Comme tu sais bien, la fonction taux des grandes déviations, chaque distribution, prenons le cas simple de Cramer, il y a un lien bijectif entre la distribution duquel tu départs et puis la fonction taux. Donc la fonction taux, si tu connais la fonction taux, tu connais le système. Et ça, c'est une idée... clé qu'on essayerait de transporter dans ce monde des réseaux, de dire à cause de ça, est-ce qu'on peut dire la fonction taux va vraiment dépendre de toute l'architecture? Bon, peut-être pas toute l'architecture, mais quand même, ça va dépendre de beaucoup de choses de l'architecture. Et ça pourrait être une façon de mettre... les pieds sur l'architecture. Donc voilà, c'est la théorie des extrêmes, la théorie de grande déviation qui devrait jouer un rôle là. Voilà. Can you always understand at which point this defect is? Other algorithms to understand it. Yeah, you can take a random walk that walks around, and you say yell when you see the defect, and that can take a very long time because there could be niches
in which you will get stuck for a very long time. I mentioned quantum random walk. Quantum random walks are capable in some structures of networks to find these points much quicker. So quantum random walks can tunnel through big barriers quicker. So sometimes it's useful if you want to find something to use a quantum random walk. And now there's a whole world of quantum random walks out there. So it's not a simple story, but indeed you can do that. And if you want to do this with several observers, yeah. I mean, if you have not a moving observers but stationary ones, and they kind of only analyze the data of they get, I don't know, by so the neighborhood and the edges. So you're thinking now observers that are stuck and they only see information coming by, and can they communicate with each other? Yes. So you would, it's like you're looking at what is happening at a certain number of sites, and you can then, so it's like, I don't know of any real thing offhand. Because your question would be, how could you best orchestrate this? I guess if I sit at a point and I wait long enough, I will have seen everything and I can probably deduce something. But you want to do this with several observers at the same time and see whether you can be clever. I don't know. But of course, a quantum random walk is a kind of object that observes everything at, you know, a little bit at the same time. So I think something is hidden in the quantum random walk about that, but I don't know the answer to your question. Autre question? Oui, merci pour cette belle conférence à laquelle j'ai pratiquement tout compris, que je sois merci. Je voulais savoir, donc vous avez parlé de réseaux complexes et de différentes complexités, différents ouais. niveaux de complexité des, ouais. des réseaux. Et je me demandais précisément quel était le réseau le plus complexe que vous puissiez concevoir et auquel vous puissiez vous affronter. Ben, tu vois, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un réseau le plus complexe de tout. À la fin, tout dépend de ce que tu veux. Par exemple, tu dis, il y avait cette paramètre, cette constante caractéristique tau. Si tu veux te déplacer très efficacement, de façon très efficace, tu préfères que le tau soit très petit. Mais alors, si tu as peur que tu es vulnérable contre une attaque, tu ne veux pas que le tau soit petit. Donc, pour mieux fonctionner, il faut donc il y a toujours un compromis à faire. Et je crois que ces réseaux, là par exemple, les réseaux qu'on a construits à partir de cette dynamique du attachement préférentiel, ils sont très compliqués, ils ont des corrélations. Effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on a plein de modèles qu'on étudie et qu'on voit qu'il y a un comportement assez universel. Mais on peut toujours inventer un problème encore plus compliqué. Donc, effectivement, il n'y a pas un réseau le plus complexe encore. Donc, tout dépend à la fin de ce que tu veux faire avec. Voilà. Questions? Okay. One last question. Yeah. So you gave the you started from the description of the structural static yeah. properties of networks and the universal properties. Then you moved to processes on yeah. network. And then you listed some challenge in the end, especially towards social systems. Yeah. So what additional difficulties are there? I mean. Maybe the conflicting interaction that you have when you try to model yeah. such a system. I think, so you start by first static networks. People have looked at the most simple network, which is the Erdős-Rényi random graph, and we know almost everything there is to know
And then you say, okay, now you make the networks more complicated. What can you say? And what happens when these networks carry on them dynamic processes?